Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est 25 aujourd'hui, 96e Poképoint, celui de novembre 2023. Je le regarde en retard parce que j'ai totalement oublié. Je suis débile. Ça va sortir assez tard, je ne sais pas quand. On va commencer directement pour pas trop perdre de temps. Commençons directement par la chaîne secondaire qui, exceptionnellement, n'a pas eu de contenu. À ce que je vois également, les vidéos dans lesquelles je récite l'alphabet ont pas mal été vues. Donc, et assez contradictoire. Également, l'alphabet français est le moins vu. Et anglais que ce soit le plus vu, ça peut se comprendre. Espagnol quasiment à égalité avec l'alphabet turc. Donc en vrai, je suis très content de voir que ça a plu. J'ai pas trop eu le temps de faire de contenu sur la chaîne secondaire en novembre. Mais peut-être qu'il y aura des vidéos en décembre, je ne sais pas. Comme j'avais annoncé du coup en octobre, j'avais pas trop d'espérance. En décembre, il y aura peut-être quelques trucs, je ne sais pas. Donc ne vous faites pas trop d'idées, de toute façon la chaîne comme dit n'a pas trop de rythme précis et c'est possible que dans ici j'ai rajouté des gens, alors je saurais pas dire, j'ai possiblement ajouté des gens, mais qui je sais plus, je vous avoue. Et est-ce que je vais m'en souvenir, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de monde. C'est toi fiché. C'est assez de la merde le nouveau visuel de YouTube. Donc bon, Team Poképot, il y aura eu quelques vidéos également, comme d'habitude. Il y aura eu... alors normalement, si je me souviens bien, la vidéo Histoire d'un membre sur l'épisode spécial Halloween, je crois. Je vous avoue que je me souviens plus, c'est possible. Sinon, il y aurait eu la compilation partie 2 des épisodes de Battle, première saison de 2022, partie 2. Il y aurait eu le début de ma nouvelle série Let's Draw, du coup qui a déjà 3 épisodes. Donc je vous invite à aller visionner, c'est sympa, ça change. Et c'est assez sympa, je trouve. Il y a une vidéo de Jack Marley sur sa deuxième partie d'Histoire d'un membre qui est sortie. Allez la voir, c'est assez sympa. Et en termes de shorts, il me semble que Tiflix a sorti un short. D'ailleurs, j'avais pas encore vu les vues dessus, mais ouais, il a sorti un short sur Call of et Jack Marley a sorti un short sur Party Animals. Donc, je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Sinon, sur la chaîne principale, d'ailleurs, hop, on va retourner ici juste avant. Niveau des abonnés, j'ai retiré du coup la chaîne de Ayuno car finalement, niveau YouTube, ça risque d'être complicado. Mais du coup, est-ce que sa chaîne est visible ici? Bah non, même pas, mais c'est de la merde ce nouveau visuel. On peut même plus voir les abonnements, quoi. C'est grave dommage parce que là, si je clique, ça m'affiche ça et c'est de la merde, franchement. YouTube, fixez votre truc. Mais donc bref, au niveau de la chaîne principale, il y aurait eu le bilan des arcs d'épisodes de On en parle, qui a été assez sympa. Ah oui, bon. Vu que je suis un peu dans le rush, j'ai oublié d'en parler. Niveau des séries en cours, il y en a toujours 3. Bientôt une nouvelle qui commence demain. The Regents, le DLC a eu du coup la date entre temps. Ça sort le 14 décembre, donc je vais essayer de sortir ça au plus vite. Je vous garantis absolument rien. C'est possible que les sprites mettent du temps à sortir, donc ça sortira soit fin décembre du coup, ou bien en janvier, on espère. Je croise les doigts comme ça, je vous sors le gros épisode final. Le gros épisode qui conclura cette série. On en parle qui continue assez régulièrement, et pareil pour Papy 5 tous les dimanches. Du coup, on reprend les vidéos en cours, je suis un peu dans le rush, je m'excuse. Il y a un épisode dont on parle plus sur FNAF, le film, donc assez sympa, je vous conseille d'aller le voir. Il y aurait l'intro ainsi que le Tournament of Poképot 12 Sacha, qui, à ma grande surprise, est assez vu. Et franchement, ça fait grave plaisir de voir que ça a été pas mal vu. Pour ceux qui ont vu la saison, je vous remercie parce que franchement, ça fait très plaisir de voir que un event est regardé. Et franchement, ça fait grave plaisir. Il y aurait également ma vidéo dans laquelle je vote pour les nominés des Game Awards 2023. Vidéo assez fun parce que j'ai joué à un seul jeu, je crois, parmi les nominés. Donc j'essaye de faire des bons choix correctement par rapport à ce que je connais. Il y aurait une vidéo sur un possible Nintendo Cinematic Universe que je suis censé faire depuis un moment et qui sort enfin aujourd'hui, enfin ce mois-ci. Il y aurait une vidéo théorie sur le film Five Nights at Freddy's 2 qui pourrait sortir. Donc franchement, en plus,
Un peu déçu parce que le titre, je trouve, il est très sympa. Et j'étais très fier de l'avoir trouvé, mais ça n'a pas encore, ça a pas été énormément vu, mais bon, c'est pas grave. Il y aurait une vidéo quiz sur Humain à vendre, deuxième épisode, quasiment 6 ans après, je crois. Je refais le quiz pour voir si j'ai augmenté de prix, et du coup, réponse en vidéo. Il y aurait eu deux Pokéfails, le 86 et le 87. Donc voilà. La vidéo d'annonce des FAQ qui est sortie aujourd'hui, et du coup, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sous la vidéo FAQ et pas sous cette vidéo-ci. Dans l'onglet communauté, il y a un post également. Donc vous pouvez également poser vos questions là-bas, ou bien dans le salon YouTube du serveur Discord qui est open, et donc vous pouvez totalement poser vos questions. Oups, pardon, j'ai frappé dans le micro. Et une vidéo théorie sur Captain Marvel qui serait en couple dans le MCU, ainsi que chose qui fallait que cela arrive. Le 100e épisode de Papy 15 raconte une histoire, du coup avec un épisode qui me tenait à cœur sur l'histoire de LG Poképot, qui est un projet qui m'a tenu à cœur. Et du coup, j'ai voulu en parler dans ce 100e épisode. Et concernant Papy 15, je vais en parler maintenant. J'en ai parlé du coup dans le 100e épisode, mais il me reste une vingtaine de sujets à traiter. Donc, après des calculs fin avril, donc tout début mars, non, techniquement, si je n'ai plus de sujets, ça sera fini de l'émission à l'heure actuelle. Bon, enfin, quand je dis fini, c'est qu'il n'y aura plus d'épisodes toutes les semaines. Si un jour j'ai un sujet qui tombe, eh ben, je vous le publierai. Mais en attendant, il n'y aura plus d'épisodes très régulièrement. Et ça popera quand j'aurai des idées. Ouais, tout simplement. On va se retrouver sur le serveur Discord pour les quelques mises à jour qu'il y aura eu. Concernant les mises à jour du serveur Discord, il y en aura eu deux ce mois-ci. Deux plutôt, voilà, c'est des mises à jour mineures, mais qui apportent quand même des trucs. La 1.146.3 qui aura eu comme principal changement le rework du rôle YouTuber streamer qui désormais est nommé créateur de contenu. Et du coup, le document des rôles serveurs a été également update. L'explication des rôles dans le salon rôle, tout simplement, a été réorganisée, que ce soit en anglais ou en français. La description du rôle créateur de contenu, forcément, qui a été changée. Et la reformulation pardon, du tuto pour les créateurs de contenu. Les émotes Wi-Fi et noir ont été supprimés, ainsi que l'ancien texte qui expliquait les rôles. Parce que bah, il ne servait pas à grand chose du coup. Et la 1.156.4 qui aura vu comme modification les descriptions des rôles graphistes et intro maker. On se retrouve sur la chaîne. Et voilà pour la fin du Poképoint. On se retrouve sur la chaîne. Niveau des trucs qui vont arriver en décembre. Comme vous le savez, si vous avez vu le Pokémon 5 Direct, du coup, qui est également juste ici, ou bien si vous êtes sur le serveur Discord et que vous avez vu le planning, ou que si vous suivez plus ou moins régulièrement la chaîne, ou que je vous en ai parlé tout simplement, vous savez que demain il y a un nouveau Let's Play qui va sortir sur Pokémon Rubies en Nuzlocke, qui du coup il va y avoir un épisode du lundi au vendredi à 15h. Donc ça vous fait 5 épisodes par semaine, donc si vous n'avez pas le temps de regarder des épisodes en semaine, ça vous laisse le temps en week-end de pouvoir vous rattraper, ne vous en faites pas. Et donc ça vous fait quand même 5 vidéos de gros let's play qui va sortir. Sinon, à part ça, le reste va continuer, hein, Papy Can 5 et on en parle. C'est la fin d'année, donc niveau contenu, je suis chill. Enfin, quand je dis chill, c'est que j'ai aujourd'hui fini de programmer tous les épisodes. Et sachant qu'il y en a 40, jusqu'à fin janvier, vous avez bouffé du Pokémon en let's play Nuzlocke. Et vous allez avoir du contenu. Ne vous en faites pas. Au moins, ça me fera une petite pause les jours où il n'y a rien à faire. Parce que je vous avoue que des fois, j'ai un peu la flemme de rec en ce moment. Mais bon, on fait avec. Niveau de la team Poképot, il va y avoir normalement une vidéo de Jack Marley. J'ai totalement oublié. Et vous allez avoir pardon, un short de Diflix qui est déjà programmé. Et on va continuer Let's Draw pour ma part. Il va y avoir du coup sur principalement les trois chaînes, du coup, trois vidéos différentes pour faire un petit bilan de l'année, etc. Avec tout ça, de toute façon, vous avez l'habitude des vidéos de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire eh bien, ce qui vous a plu durant ce mois-ci, ou est-ce que vous attendez le fameux Let's Play qui va sortir demain. Est-ce que vous êtes content eh bien, que l'année se termine? Voilà, ça peut être intéressant de le savoir. Si c'est le cas, eh bien, du coup, mettez tout ça en commentaire. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Encore désolé, je m'excuse pour le retard du Pokémon, j'ai totalement oublié, c'est de ma faute. Et on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan 5 et je vais vous dire enjoy!